Bonjour à tous, ici Anthony. Donc, je vous présentais un petit achat que j'ai fait sur le Bon Coin. Alors, c'était pas pour remplacer, mais en fait, de base, vous savez que j'ai une machine à fumer, une GEM ZR 33. Donc, quand même une assez grosse machine. Le problème de la grosse machine, c'est que quand je fais des petites soirées ou que je propose la location, j'ai pas envie de trop la prêter déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est que pour les petites soirées, c'est beaucoup trop gros. Je me fais chier à porter un énorme truc de 30 kilos, alors que là, je pouvais avoir une machine beaucoup plus petite et beaucoup plus légère, que je peux emmener de partout. Enfin bref, donc en fait, parce que j'ai acheté surtout parce qu'il était un petit prix sur le Bon Coin. Donc ça explique mon achat. Donc j'ai payé cette machine 60 euros. Donc c'était une Dune Fog 1200. Donc dedans, il y a un corps de chauffe c'est une machine à fumer de 1100 watts. Donc il y a la télécommande basique sur toutes les machines chinoises. Voilà. Voilà, c'est une télécommande normale qu'on trouve pas. En fait, on trouve toutes les machines bas de gamme, on va dire ça comme ça. J'ai la même, par exemple, que j'avais avant. Vous savez, une Ibiza. Je ne sais plus quoi, ce truc de merde, là, cette référence. Enfin bref, j'ai une Ibiza. Donc c'est la même télécommande, et d'ailleurs j'ai récupéré le système sans fil qu'il y avait sur la machine Ibiza pour mettre sur celle-là parce que c'est le même système. Donc ça permet justement de faire deux paires de coups, de faire un truc sans fil. Je sais que maintenant celle-là, je crois, elle est entre 120 et 150 euros neuf. Et avec cette fois-ci, il y a la télécommande sans fil, alors que moi dans celle-là, il n'y avait que la télécommande filaire. Puis de toute façon, je m'en fous, c'est pour surtout pour l'occasion. Donc la filaire j'ai, et le sans fil j'ai aussi. Peut-être prendre la version française, s'il y a sur cette boîte. Voilà, puissance de chauffe 1100 watts. Durée de chauffe après la mise en fonction 8 minutes. Le réservoir contient 2 litres, donc c'est pas mal. Débit de 140 mètres cubes par minute. Alors là, il faut vérifier parce que un coup sur internet, il marque 150 mètres cubes. Un coup, quand on regarde sur le vrai magazine de chez Dune, il marque 250 mètres cubes. C'est vraiment un chiffre aléatoire, donc on ne sait pas vraiment combien elle fait. Pour comparer, je sais, par exemple, une machine Macma qui fait la même puissance, dessus c'était marqué 350. Bon, je crois que Macma a un peu fumé un pet hein, pour mettre 350 pour une machine de 1200 watts. Enfin bref. Production de fumée 10 mètres, donc elle fait 1100 watts. Elle n'est pas bien grande, donc c'est ce que je cherchais justement, et très légère, 5 kilos. 5,6 kg, bon pas 6 kilos si vous voulez, sans liquide. Hein. Donc c'est une machine très légère par rapport à ma grosse ZR. Donc franchement, je suis très content pour la petite soirée. Ça me suffira largement. Donc j'ai payé 60 euros la machine et il reste un fond de liquide. Le gars il a utilisé que ce bidon en 2 ans, ce Contest. Donc déjà, quand je vois qu'il a acheté du liquide Contest, je fais ah, déjà la machine était bien entretenue. Il n'a pas acheté du liquide de merde Ibiza de couleur jaune ou de couleur bleue, là, il n'y a pas de couleur. Avec, il avait un parfum. Il m'a fait, par contre, j'ai jamais mis parce que c'était offert avec la machine. Et vu que je savais que ça va endommager la machine, j'ai fait, prenez le parfum, mettez-le à la poubelle. Moi, je ne veux pas du tout. Je sais que ça bousille la machine. Donc là, pendant ce petit sachet, on a les fixations là. Parce qu'on a deux systèmes, soit on met au sol, soit on le met sur le lièvre d'accroche et on accroche sur une structure. Moi, ça va rester au sol. Voilà. À part si je veux faire des projections de fumée, genre je vais garde ma ZR pour faire du brouillard, et c'est là je l'utilise comme projecteur de fumée, tu sais, comme les projecteurs CO2, là, et je mettrai un projecteur à LED. Voilà. C'est ce que vous voulez, je sais pas encore. Donc voilà, on sort, donc il y a le truc. On regarde ça après, avec le mode d'emploi français, une espèce d'espagnol là. J'ai jamais fait espagnol de ma vie, moi j'ai fait italien, donc c'est pas italien, c'est sûr. C'est sûr. Quoique. C'est pas inventé. Oh, quoique. Mondo. Ah si! C'est de l'italien. Donc voilà, on s'en fout, on s'en fout de ma vie. Pouce. Il y a ma tête. Ah aussi, ce qui m'a fait choisir cette machine par rapport à d'autres annonces sur le Bon Coin, c'est qu'elle était en très bon état. Le gars prenait soin de ses affaires, et ça fait plaisir. Ah, attends, je pose mon portable. Oui, je sais, comme d'habitude, j'enregistre
comment dire ça. Hop, j'enregistre ça via un iPhone, donc ça peut merdique. Mais bon, si vous voulez une vidéo, vous aurez une qualité iPhone. Voilà. Donc voilà, donc la bête est sortie. Donc ça va, je crois qu'elle a quand même une bonne gueule. Donc là, une sortie. Donc là, il y a la sortie de corps de chauffe. Protégé, mais bon. Franchement, ça c'est un tuyau PVC pour la plomberie, ça. Ça se voit trop. Donc il y a des vis pour enlever. Je ferai peut-être un coup de nettoyage vite fait. Donc, des trous d'aération. Dune quand même, qui est pas une mauvaise marque quand même. Bah moi j'aime bien. Bah, j'aime bien. C'est sûr que ça vaut pas d'autres marques, mais c'est quand même mieux que du Ibiza. Et je sais que les produits chez eux, ça marche mieux que certains produits, par exemple chez Magma et tout ça. On va dire un peu, c'est un peu le Starway du pauvre. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a besoin de 2 litres. Il y a un petit kit dedans. Donc il y a le tube là-dedans. Ça, c'est bien. Normalement, je suppose que dedans, que le fil, il y a un filtre. Ah, bah, nickel. Il y a un filtre. Alors que sur ma Ibiza, j'ai pas de filtre. Hein. Donc ça permet de filtrer pour pas que les impuretés rentrent dedans. Donc voilà, donc derrière. On a un off, input. Alors là, hop, pardon, focus. Donc on a une sortie contrôle, ça, circuit contrôleur. Alors, ah non, d'accord, excusez-moi, on branche là, et ça, c'est si on veut brancher une autre machine à fumer en fait. Si on veut brancher plusieurs à la suite. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, c'est sorti en série parce que le gars il a essayé sur celle-là. Je crois qu'en fait derrière elles sont pontées. Bon, on s'en fout. Normalement les deux marchent. Hein. C'est-à-dire que normalement je peux prendre. Je serai tout à l'heure quand même, mais. Ah. Normalement on peut aussi bien brancher là que là le contrôleur. Donc ouais, le contrôleur. Basique, hein. Le truc avec aimant là. On veut. Ça c'est pratique par contre. Donc voilà. Donc je vais l'allumer, on va faire un petit test. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je ferai un comparatif par rapport à mes ZR pour montrer la différence de puissance et projection. Oui, juste pour dire, pour ce test, on trouvera le liquide qu'il y a dedans. Hein, parce que j'ai plus de liquide gène ZR Mix. On utilisera celui-là pour le test de celle-là. Parce que dans l'autre, ma ZR, j'ai encore le liquide gène. Donc il y aura peut-être une différence niveau qualité de la fumée, mais... Niveau puissance, normalement, on va bien voir la différence. Allez, je vous laisse ça tout de suite. Voilà à tous. Déjà, gros point positif de la machine, quand elle est livrée avec sa télécommande. Et sa télécommande est très grande. Enfin, le fil de la télécommande est grand. Donc, je dirais, ça doit faire 3 mètres. 3-4 mètres, un truc comme ça. Donc comme toutes les machines à fumer, ces télécommandes là, quand c'est prêt, ça s'allume. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus, donc j'en vois que ça marche bien. Après quelques tests avant, donc on branche là, ou en haut ou en bas, la télécommande, ça revient même. Comme je disais, c'est ponté. Donc l'avantage c'est que, pour vous brancher vos télécommandes sur un des deux, et si vous avez une deuxième machine, et ben vous sortez. Et remettre sur l'autre machine, donc quand vous allez appuyer, ça va allumer les deux machines en même temps. Donc ça c'est bien pratique. Bon, par contre, le seul problème que j'ai remarqué, c'est les finitions. Ça, voilà. On voit pas, mais voilà. J'arrive à bouger la fiche. Bah, pas ça, hein, mais ça là. Mais bon, voilà, je vais dire ça. Hein. Pour vu le prix que j'ai payé, je crache pas dessus. Alors par contre, elle crache, ça c'est sûr. Alors regardez, par exemple. Bien sûr, au moment où je le fais, il y a du vent. Merci le vent. Donc on voit déjà quand même que ça crache pas mal. Donc franchement, déjà je suis surpris par la puissance, ça marche bien. Et ce premier genre de machine, c'est que au bon moment, et ben, ça,
il a son cycle, genre pendant 5 secondes ça marche, et après pendant une minute, il faut qu'il se recharge. Il faut qu'il refasse sa préchauffe. C'est pas un genre de machine. C'est pas grave, hein, genre déjà, vous avez vu, déjà un jet de 5 secondes, ça suffit largement. Donc, résultat de la machine, bah, pour l'instant, je suis très content par rapport au prix que j'ai payé. Donc, je vous conseille de le trouver d'occasion. Mais je crois que même neuf, vous allez faire une bonne affaire. Hein, franchement, ça marche très bien. Après, je sais que il y a plein de sortes de cette machine avec d'autres marques. Bon, en tout cas, je sais que la Dune fonctionne bien. Après, je vous recommande peut-être pas celle-là de machine. Il y en a tellement de machines. D'occasion, je vous recommande. Mais neuf, pour le même prix. Alors, vous avez une bonne Starville quand même pour le même prix neuf. Hein. Mais bon, c'est pareil, c'est toutes les mêmes machines dedans. Hein. C'est juste les sœurs qui changent, j'ai envie de dire. De toute façon, une machine, ça dure que quand on la nettoie bien, quand on prend soin. Et qu'on laisse pas dans son carton comme ça, là, tout détravé là. D'ailleurs, la semaine prochaine, je sais pas si tu l'as dit, mais je vais chercher un fly housse exprès pour cette machine. Parce que cette machine, je vais sûrement l'utiliser pour la location. J'en suis content quand même. Ah, c'est puissant. Ouais, prends celle-là, prends pas la grosse. Hein. Donc, très content. Donc, la prochaine vidéo, je ferai un comparatif de celle-là contre la ZR. Ça va être marrant, je pense. Bon allez, je vous laisse et merci à tous et merci beaucoup de me suivre encore. Allez, ciao. Et un petit test pour la fin. Ça marche bien, hein. Ouais, un truc, je vous recommande quand même d'acheter soit du liquide Comtesse, soit GEM, hein, parce que si vous achetez encore du liquide Ibiza de rouge, de couleur jaune pipi ou vert. Un vrai couleur de machine à fumer, c'est blanc. Hein, c'est pas rose ou jaune pipi. Voilà, enfin bref. À plus.